Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je partage avec vous le ménage dans la chambre des enfants. Là, j'ai commencé par vider leur bac à jouets. Il y avait de tout dedans, même jusqu'à mes ustensiles de cuisine. J'ai enlevé, j'ai bien classé. J'ai juste laissé ceux avec quoi elles doivent jouer. Et dans cet autre bac-ci là que je suis en train de poser au sol, il y a leurs pyjamas et les vêtements qu'elles peuvent reporter. Donc j'ai tout bien classé, j'ai tout bien rangé. Ce que je vais faire maintenant, c'est continuer à plier leur linge, faire leur lit, nettoyer leur sol et bien ranger leur chambre pour qu'elle soit belle comme j'aime. Il y a un moment déjà, je ne suis pas passée dans cette chambre pour faire le grand ménage. Donc leurs vêtements sont en désordre. En fait, les jouets, vous allez voir l'état de leur chambre. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, les amis. Là, sur leur étagère, j'avais déjà plié leurs draps, leurs serviettes et rangé leurs cahiers qu'elles ne partent pas à l'école avec. Donc voilà l'état de leurs habits. C'est vraiment en désordre. Bon, c'est vrai que même quand je range et qu'elles passent par là, ça devient directement saccagé en fait. Les enfants ne savent pas trop garder de l'ordre. Donc maintenant, tel que je vous l'ai dit, je commence par le pli de leur linge. Je vous prie les amis de rester jusqu'à la fin et ne rien manquer pour qu'on se motive tout ensemble dans cette vidéo de motivation ménage dans la chambre des enfants. Malgré leur désordre, malgré leur bazar, nous devons être derrière pour ranger. Je tiens à vous remercier énormément pour vos retours par rapport à ma dernière vidéo. Merci infiniment les amis. Merci pour vos réactions après la FAQ et l'annonce. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai donc créé cette chaîne pour échanger avec vous sur ma vie de maman. Je partage avec vous mon quotidien de maman. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, retour de courses, gérer son budget, le lifestyle camerounais et un peu de décoration. Et cette année, on compte introduire un peu de vlog. J'espère que ce contenu vous plaît les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous pour me soutenir et pour faire agrandir la chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime ranger les vêtements de mes enfants par catégorie. Je commence par les pulls. Les pulls cette saison-ci, on ne les met pas beaucoup. Du coup, je ne fais que reconduire le pliage des pulls. Je ne déplie plus parce que nous sommes en saison sèche et il fait très chaud. Les pulls, c'est pour à partir de avril-mai. Donc, je mets les pulls, je mets les hauts, les longues manches en bas, les demi-manches en haut et les démembrés plus haut. Là, c'est pour ceux de les vêtements pour rester à la maison ou pour aller à l'église. Mais les vêtements d'école, je mets les démembrés d'un côté, les collants, les chaussettes et les caleçons. Donc, c'est comme ça que je fais pour que ce soit plus facile pour moi. Et aussi pour mes filles, même si quand elles prennent, elles mettent carrément le désordre. J'avais avant pour routine de venir ranger tous leurs vêtements comme ça tous les week-ends. C'est-à-dire tous les week-ends, j'enlève tout. Je viens, je replie sur le lit. Je nettoie l'endroit où je pose leurs vêtements. Puis je viens ranger. Mais depuis un certain temps, j'y vais selon comment je me sens. Je peux le faire après 2 semaines. Je peux le faire après 1 semaine et demie ou après 3 semaines. Je veille juste que quand je ramasse les habits dehors, je plie. Et j'essaye un peu de bien positionner par catégorie. Donc là, j'ai fini de plier les vêtements de la plus petite que j'ai rangée par catégorie, comme vous voyez. Maintenant, je vais m'attaquer à ceux de la plus grande et j'irai de la même manière pour que ce soit super bien rangé.
Et pendant que je faisais le tri dans les vêtements de l'aîné, j'ai même trouvé des vêtements sales. C'est ce que j'ai lancé au sol là. Ça va directement aller dans le panier à linge sale. Et voilà ces vêtements que j'ai également pliés par catégorie que j'ai mis sur le lit et je viendrai aussi ranger dans son endroit à elle. Et voilà, tout est rangé dans leur penderie, tout est bien classé et propre et frais. Et j'ai aussi bien rangé ce qui était des vêtements qui étaient sur le cintre. Vu que ça, c'était leur journée de sport et leurs tenues sont là, déjà propres, classées. C'était le dernier jour d'école ici qui attend juste le lundi parce qu'ici, on était vendredi. Donc, toutes leurs ballerines sont là, elles sont allées à l'école en tennis. Après avoir fait le rangement des vêtements, maintenant on passe au balayage du sol. Je ne vous dis pas, vous-même asseyez-vous bien pour découvrir ce qui sera derrière le meuble là. Voilà l'état derrière le meuble. Il y a les jouets, il y a les papiers, il y a la poussière et il y a de la saleté. Donc je vais balayer tout ça et bien laver cet endroit avant de remettre le meuble. Quand je fais le ménage dans les chambres, je ne sais pas pourquoi, je préfère toujours dresser le lit, taper le lit, enlever tout ce qu'il y a comme poussière sur le lit avant de laver le sol. C'est souvent difficile pour moi de tout faire et le lit en dernier. Non, c'est toujours le sol qui est bon en avant-dernier et le classement de tout qui est en dernier. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Est-ce que vous lavez d'abord le sol avant de faire les lits? Donc là, je vais enlever les moustiquaires et aller coudre certains endroits qui étaient déchirés dessus. Et entre-temps, je n'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Le temps de vider, j'ai quand même évolué en faisant les lits. Donc là, je suis juste en train de terminer le lit. J'ai remis le même drap que j'avais déjà mis à Elsa sur son lit la veille. J'ai remis le même sur le lit de Eliora et pour que ça fasse pareil quoi, que ça fasse complet. C'est plus beau comme ça. Vu que de toute manière il était temps de changer leur drap, sauf que j'ai anticipé pour Elsa. Là j'ai mis leur thé d'oreiller, leur thé décoratif et les nounous de Elsa, les nounous avec lesquels elle dort. Je vais maintenant aller mettre les moustiquaires que j'ai cousus dans un bac, le bac à moustiquaires. Parce que la moustiquaire n'embellit pas trop la chambre. Du coup, j'ai un système où j'accroche facilement le soir et le matin, je retire. Mais ça, c'est quand j'ai la force. Sinon, pour dresser leur lit, elles-mêmes enroulent leur moustiquaire et enfoncent ça en haut, puis ça reste comme ça. Mais quand je peux, quand je veux voir leur chambre jolie, moi, j'enlève les moustiquaires. Pareil pour la mienne.
Donc, je vais venir sur ce meuble bien frotter avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc. Parce que le meuble blanc prend vite la poussière et ça devient facilement jaune. Si vous regardez bien, vous allez constater que ça n'a même plus la même couleur qu'avant. Tout simplement parce que je l'ai beaucoup négligé. Je ne l'ai pas nettoyé avec la même routine que je comptais faire à cause de la fatigue. Après avoir nettoyé le meuble et le déplacé, je vais venir laver cet endroit-là. L'endroit où le meuble va rester parce que c'était sale. Puis je vais laver derrière leur lit, vu que leur lit n'est pas collé sur le mur. C'est un seul endroit qui est collé au mur. Je peux circuler partout. C'est vrai qu'en ce moment, avec mon état, c'est un peu compliqué, mais au moins, il y a de l'espace. Et les amis, plus encore maintenant avec mon état, je rends grâce à Dieu pour la personne qui a créé ce seau balai serpillière essoreur. Vraiment, merci. Pour le moment, je suis en train de chercher à remplacer la partie serpillière microfibre là. C'est vrai que ça lave toujours bien, pas de souci, tout va bien, mais je commence déjà à fouiller. J'ai fouillé à Carrefour, je n'ai pas vu le modèle qui va avec. Je vais continuer à regarder Niki, Bricolux, Maïma et tout. Je vais continuer à fouiller par là. Je range au fur et à mesure pour débarrasser l'autre partie du sol que je dois terminer de laver. Vous voyez leur petite cuisinière en carton est encore là et elles entretiennent tellement bien. Elles aiment tellement. Je vais aussi nettoyer ce meuble-ci parce que ça aussi, ça a pris de la poussière. Bref, les meubles blancs prennent beaucoup de poussière. Voilà pourquoi c'est l'entretien. Il faut nettoyer régulièrement.
Donc là, je mets ce pot de fleurs sur ce meuble pour faire une petite décoration. Et sur leur penderie aussi, vous voyez que j'ai mis des rideaux. Également, comme j'ai fait dans ma chambre pour protéger la penderie de la poussière. Et là, c'est plus beau quand on ne voit pas trop les vêtements. Je trouve que c'est vraiment plus beau. C'est vrai que j'aurais préféré que les rideaux soient plus lisses et non froncés tels que cela. Mais qu'à cela ne tienne, c'est plus beau. Plus chic, plus propre. Donc là, j'ai terminé. Voilà l'état de leur chambre quand tout est rangé. Mais vous savez, avec les enfants, on range juste pour leur donner la conduite à tenir, pour leur dire que voici ce qui est normal. Mais dès qu'elles vont revenir de l'école là, le jeu va commencer. Elles vont commencer d'abord par saccager les habits. Juste pour prendre une culotte, elles peuvent détruire tout ce qui a été rangé, bien classé. Donc c'est ça avec les enfants. Sur leur meuble, je n'ai plus mis grand chose. J'ai juste mis le piano d'Eliora, leur réveil, la boîte à stylos et leur petit téléphone. Elles ont leur petit téléphone. Quand je sors un peu, j'appelle pour prendre des nouvelles. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. Merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas à partager pour me soutenir. Je vous prie de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait avant de quitter. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!